Je ne sais pas si vous m'entendez, on est en direct comme c'est écrit sur le domaine Thorachi. Regardez, il y a un monsieur là-bas, vas-y gentiment. Il y a un monsieur qui est en train de s'amuser avec un jet d'eau. Le monsieur que vous voyez là-bas, c'est Marc Imbert. On est sur son domaine et il est en pleine forme. Mais comme ils sont juste à côté de nous et qu'ils viennent d'arrêter une partie de leur balance, on va les récupérer en direct sur la page Facebook de Viastyle. Jean-Jacques Gristi Trio, merci. Merci pour cette intro. Il y a pire. Hein. C'est simplement indécent. Comment ? C'est un simplement ? Simplement indécent. Quand on pense à ce qu'on va voir ce soir, ça va être pire alors. Non, alors ça par contre, hein, je vous rappelle que durant toute la soirée, il y aura notre ami Modération avec lequel nous allons passer la soirée. Jean-Jacques Gristi, le Jean-Jacques Gristi Trio. Première fois ici au domaine Thorachi. Oui, j'ai cette surprise magnifique. Vraiment, c'est un endroit merveilleux et on a été reçus merveilleusement bien, comme d'habitude, ici, en Corse. Jean-Jacques Gristi, est-ce qu'il faut encore te présenter ? Django, jazz, ouais, manouche ? Voilà, la musique de Django, tout simplement. C'est vrai que je suis surtout un amoureux de Django, j'aime le jazz évidemment, mais j'aime Django Reinhardt parce que c'est pour moi le musicien qui me transporte le plus dans un monde musical, on va dire. Parce que ce qui me plaît finalement, c'est pas tellement le style ou le personnage, ce qui me plaît, c'est simplement la musique qui en résulte, quoi. Bon, et ce soir, a priori, ça va être un bon moment d'échange, de partage, de rencontre, de musique, voilà, de plaisir. Avec des copains, mon neveu aussi, Jean-Paul. Alors, on va quand même citer, c'est un trio, on va pas non plus les oublier. Ton neveu ? Frédéric André. Qui est à la lourde tâche de te suivre. Voilà. C'est pas peu dire. Voilà, qui est l'homme de la pompe, comme on appelle ça. Et puis, mon ami Jean-Paul Moreau. C'est un peu lui qui t'emmène ici. Hein. C'est pas un peu, c'est lui qui m'amène. Il te fait découvrir. On est passé, on va le dire. Je vais aller voir Jean-Paul deux minutes. Tu peux, t'embêtes pas hein, la caméra. Ne prends pas de risque parce qu'il y a quand même l'estrade. Jean-Paul, un peu avec l'office du tourisme de Lecce, à qui on va dire bonjour. Oui, Marie-Jéromine, l'office du tourisme de Lecce de Porto-Vieque, oui, qui nous accueille et qui nous aide à participer à différentes manifestations musicales. Alors, comme on est en direct, les gens réagissent. On va dire bonjour à tous nos amis qui nous suivent. On va dire bonjour à Gilberte, à Josiane, à Pierrette, à Willy, à Aline, à Jo, à Savelli Laurence, à Edith Guidon qui adore, à Widani qui nous fait des coucous, à Nadine, à Joël encore, à Jeanne, à Marlène, à René. C'est vrai que c'est même quand même mieux que Calvi on the Rock. Alors, Doumet, c'est pas pareil. Voilà, il en faut pour tous les goûts. Arrêtons d'opposer les gens les uns aux autres. Il en faut. C'est comme si on opposait les gens qui ce soir ne juraient que par 20 bonhommes qui courent après une balle. On va pas s'opposer à eux. Ils ont le droit d'aimer ça. Mais vous avez aussi le droit de préférer autre chose. Alors, on va retourner voir Marc parce que c'est aussi grâce à lui que ce soir on passe une bonne soirée. Si vous aimez le foot passionnément, n'hésitez pas, ce soir il y a un grand match de foot, c'est vrai. Si vous n'êtes pas fan, vous avez Barbara Fortune à l'église Saint-Jean-Baptiste de Porto-Vecchio. Vous avez un été au théâtre, j'ai oublié de le citer tout à l'heure quand on était avec Jean-Charles dans les rues de Porto-Vecchio. Un été au théâtre avec la compagnie Tchatcharon, Jean-François Perron, qui est un type super et qui propose deux pièces tous les soirs durant tout l'été. Et il faut soutenir et venir passer une bonne soirée avec eux. Et puis si vous aimez ce type de musique, et puis surtout si vous aimez... Je disais, c'est quoi l'esprit ? La rencontre, le partage, l'échange, la bonne humeur. Oui, rencontre, partage, bonne humeur, oui. Puis le décor, le paysage. Regardez derrière, quoi. Le parfum du maquis et de vignes, c'est extraordinaire. Ouais. Et de l'or, de domaine Thorachi. Jean-Jacques, ça commence à quelle heure ? Alors, je sais pas. Ça finit à quelle heure ? Alors, je sais pas non plus. Alors, le monsieur, il est au courant. Normalement, ça commence à 20h, pile. Voilà. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si vous voulez venir, bonne soirée, vous pouvez venir. Oui,
On vous dira quand même le résultat du match de foot. Ah oui, vous inquiétez pas. Quand même. Et puis, bon, en plus, c'est deux pays amis qui, voilà, qui jouent. Que le meilleur gagne. Voilà, que le meilleur gagne. On va arrêter d'opposer. Comment on fait pour venir assister au spectacle ce soir? Ça dépend où vous êtes. Si vous êtes du côté de Porto Vecchio, vous prenez la direction de Lecce. Si vous êtes au-dessus, vous descendez vers Lecce. Vous prenez alors soit à gauche, soit à droite, mais direction la mer, Domaine Torace. Voilà, Domaine Torace, facile. Et ensuite, vous avez un petit kilomètre sur une piste avec des lumières, voilà, qui clignotent. Et franchement, vous ne pouvez pas vous perdre. Les gars, je vous laisse continuer votre balance. Allez, bon courage. Moi, je vais aller, je m'écarte un peu parce que sinon, je ne vais plus rien entendre. Parce qu'on va aller voir la personne qui est à l'origine de cette aventure. Comment vous décrire Marc? C'est vrai qu'à chaque fois que je peux, je vous parle Marc Imbert, qui n'est pas que un passionné de viticulture. Il n'est pas non plus que un passionné de tuyaux d'arrosage. Marc, à chaque fois que je peux vous en parler, je vous dis que je suis amoureux de cet homme parce que, ouais, parce qu'il est passionné de viticulture, de jazz, de manouche, d'échange, de personnes. De... Voilà. Là, on fait Jésus, tu vois. On met de l'eau et on transforme en vin. Non, ça va, Marc? Ça va bien. En forme? Super. Malgré tout, à chaque fois, c'est tout le temps des petites galères de dernier moment à préparer. Zut, il manque une chaise et il faut mettre les... Mais ça se passe super bien, ces soirées. Ouais. C'est depuis quand tu fais ça? On a commencé... on a fait un essai il y a deux ans. On a fait un test il y a deux ans avec l'Office du tourisme qui voulait faire quelque chose. Puis l'année dernière, on a un petit peu cherché le concept. Et c'est charmant dans ses imperfections. C'est un petit peu style le film Chocolat. Voilà. Et là, maintenant, ça commence à s'installer quand même, la blague. Tu vois, il est déjà... Quelle heure? Il est 19h et... 19h23. 19h23, il y a déjà les gens qui commencent à amener leurs chaises à l'avance pour être sûr d'avoir de la place. Alors, le principe des chaises, c'est quand même beaucoup des bottes de foin. Oui. Plus ça gratte, mieux c'est. La dernière fois, tu avais prévu pour 50 personnes, il y en a eu... Il y a eu 150, c'était le premier. Ça marche. Non, on est limité à 400. On ne peut pas aller au-delà de 400 personnes. Mais de toute façon, c'est limité par le nombre de parkings à l'entrée. Je préférais prévenir les gens. Oui, on vous donnera aussi les résultats du foot. Ne vous inquiétez pas. Oui. Et venez passer une bonne soirée ici. Ouais. On parle du domaine quand même, parce qu'il faut parler du domaine Torace. Parce qu'au-delà des soirées jazz, au-delà des soirées musique, il y a aussi un domaine qui marche super bien. Mmh. Grâce à une histoire de famille, mais aussi grâce à toi. Parle-nous un peu du domaine. Parce que tu crois qu'on peut aller jusque-là? Oui, si tu veux, on peut. Venez, on peut. Parce que depuis tout à l'heure, vous avez vu quoi? Vous avez vu des bottes de foin, vous avez vu des guitaristes, vous avez vu des gens qui savent faire pour préparer un concert. Mais le domaine Torace, c'est combien d'hectares déjà? 42. 42 hectares, une production de... En bouteille, c'est à peu près 120 000, 130 000, j'ai pas vraiment le compte exact, c'est autour de là. Potentiellement 200 000, mais on fait 130, 140. Et puis c'est une affiche d'un type avec un mug à la main à New York, immense. Ouais. Un type, c'était aussi ça l'aventure Torace, de partir à New York de t'afficher comme ça. Faire connaître les mains corses, mais c'était un photographe américain qui a un œil un petit peu différent que les Français qui avaient pris une photo pendant les vendanges. Elles sont là? Ouais. Bah là, je suis pas très fier. On a eu quand même beaucoup de pluie jusqu'à présent, donc l'herbe, comme beaucoup de vignerons, ont un petit peu des soucis. Alors, je vais te dire, j'étais à la foire de Lourdes la semaine dernière. Ouais. Ils ont tous un peu connu ça. Le problème, c'est que comme il a beaucoup plu, ça pousse et la vigne n'est pas obligatoirement aussi propre que les autres années. Ça n'empêche. Est-ce que ça a eu des répercussions? C'est plus tardive. Oui. Au niveau de la qualité du vin, au-delà des herbes. Les herbes, c'est pas vraiment le problème. Au contraire, même ça peut être quelque chose de bien. Non, c'est au niveau de la pluie, au niveau de la pression des maladies, comme on a en bio. Là, on n'a pas arrêté de traiter avec des produits... Entrant dans la charte, bien sûr, bio. Oui, même on est un peu expérimental, on utilise du mimosa, des choses comme ça. C'est chaud. Quand on décide de... Là, on n'a pas quitté les chevaux. Quand je dis les chevaux, les tracteurs, ils étaient en train de tourner tout le temps. C'est des doses homéopathiques, mais il faut continuer tout le temps. Parce qu'il pleuvait, il faut le refaire, ça fait le risque phytosanitaire. C'est la complainte des vignerons. Mais Marc, moi, ce qui me plaît, ce type, il est juste en train d'expliquer là qu'on peut avoir des risques phytosanitaires encore plus développés quand on est en bio et que ça peut prendre des proportions énormes. Et il le dit malgré tout avec le sourire. Comment on fait pour vivre ce stress de la pluie, de la maladie, et toujours de rester comme tu es, comme ça, en se disant on va y arriver, on s'en sortira, on avance.
Bah, quand on a pris assez de coups, on sait qu'on se relève. Donc voilà, c'est tout. Venez, c'est tout. On va retourner là-bas parce que ce soir, on pourrait parler des heures du domaine Thorach. Est-ce que en fait, l'idée du spectacle, c'est justement donner l'occasion aux gens de rentrer dans le domaine et sentir, toucher un petit peu. Tu le fais là ce soir avec Jean-Jacques Gristi et son trio. Ouais. Tu le fais aussi avec Arapa, je crois. Alors, Arapa, ils sont venus demander de faire un spectacle ici. Et puis, d'un coup, ils ont eu cette idée de faire un truc tout autour de la Corse. Vous savez, depuis quelques semaines, je vous dis qu'on va aller au domaine Peraldi pour vous parler d'Arapa qui fait un échange avec les viticulteurs. L'idée. C'est ici qu'elle est née, en gros, aussi. Enfin, je ne sais pas si elle est née ici, mais il était venu ici. Puis après, ils ont eu cette idée, parce que c'est des... Quand on connaît les musiciens, c'est des gens de terroir et des gens très authentiques. Et la musique, le vin, le terroir, c'est quelque chose qui va très bien ensemble. Et ils ont, je pense, une idée absolument géniale. Faire le tour de Corse et faire connaître un petit peu l'intérieur des terres, la culture, les produits corse. Le concept s'appelle... Alors là, c'est le trou. Alors, on va essayer de récupérer. Il y a nos amis internautes en plus qui nous suivent. Oui. N'hésitez pas à me rafraîchir la mémoire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous tapez sur le moteur de recherche Arapa Viticulture, vous allez tomber sur le nom exact de l'opération. Opération qui va se faire, je crois, dans... Vigna à Cantan. Je crois que c'est quelque chose comme ça. On fait des bisous à Marie-Jo qui nous suit, à René qui nous suit, à Max qui nous suit, à Valérie, à Josiane, à René Giacomet qui nous fait un bonjour depuis Olivèze. Oui, René Giacomet, non pas d'olive comme tout à l'heure. Angela Papillon nous fait des bisous. En plus, ils ont du goût, ces Corses. Vive Django, ça c'est quelqu'un qui nous écrit depuis Nîmes. Laurence et Nadine nous disent bonsoir, super. Jackie nous embrasse. Lucie Gaspard, qui elle fait du violon. C'est vrai. Vous êtes une bonne soirée. En réponse, c'est magnifique. Nous dit Willy, Jean-Paul, Daniel, Arnaud et mes amis. Ah oui, ça c'est sûr, ils ont beaucoup d'amis. Bonne soirée magnifique, nous dit Bernard. Daniel, Jean-Paul, dis-moi quelque chose. Jean-Paul, on va aller le voir de la part de Daniel, promis. Vous pouvez m'envoyer un hélico, nous dit Daniel Arnaud, pour venir vous chercher. Oui, on va sûrement vous envoyer un petit hélico. De bons musiciens, j'adore, nous dit Danine. Mimi, est-ce que tu reconnais? Ça c'est Jackie, Mimi qui parle entre eux, c'est pas grave. Oui. Bonjour, salut Marc, nous dit Nathalie Huro. Ah oui, Nathalie Huro, elle est du village. Ah ben, du village. Nathalie, j'espère que tu viens ce soir. Oui. Nadine nous dit qu'elle est désolée, mais elle est sur le continent. Bonjour, monsieur Marc. J'aimerais bien être sur ces bottes de paille, nous dit Patrick. Patrick, je ne sais pas où tu es, mais Sbroy, allez, dépêche-toi. Ça gratouille. Bonsoir, Marc, je suis d'Ajaccio, nous dit Claudine. On a eu un premier spectacle mardi, auparavant. C'était Laetitia Giuntini, que j'adore. C'est la deuxième fois qu'elle le fait. Donc j'en profite pour me parler d'elle. On retourne vers là-bas, c'est là-bas que ça se passe. La vigne, c'est là-bas. On reviendra parler de viticulture sûrement avec Marc et avec une collègue à toi, Gwanaël, qui est juste un peu au-dessus, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup aussi. On fera ça en septembre. Ah ben super. Bah, c'est à l'époque. Alors, juste pour savoir, l'appellation Porto-Vecchiese, on est 4 viticulteurs, 50% bio, hein, c'est quand même exceptionnel. Il faut le dire. Appellation, on va être 100%, je pense qu'on va arriver à être 100%. Il y en a encore 2 à convaincre, mais ils sont en bonne voie. Ils sont déjà en bonne voie, très bonne voie. On les sent. Oui. Organiser ce type de manifestation dans un domaine qui, au départ, on va aller embêter les gens qui sont là-bas. Organiser ce type de manifestation dans un domaine qui, au départ, est plutôt là pour faire du vin plutôt que des spectacles, c'est une aventure. Mais pas que personnel. Oui. On va aller embêter la fille là-bas. Katia, oui. Katia, que j'ai essayé d'embêter tout à l'heure, m'a dit je peux pas, je bosse. Katia. Mais du coup, Katia, maintenant qu'on est en direct, elle peut plus rien me dire comme on est en direct. Salut Katia. Bonjour. Alors là, il y a un peu de retard, mais tu vas voir que bientôt tu apparais. L'organisation avec Marc, comment ça se passe? Vas-y Marc, t'embêtes pas, je reviens te chercher. T'inquiète, je viens te chercher dès que j'ai besoin de toi. Marc, reste là. Raconte-moi. Comment ça se passe? Parce que je sais que lui, il a toujours des bonnes idées, mais après, il faut le suivre dans les faits. Oui, enfin, nous, on le suit dans les faits. Enfin, on l'aide à préparer tout ce qui est vin, tout ce qui est lessiveuse. On l'aide pour tout ce qui est préparation. Extincteur, voilà. Électricité. Voilà, les guirlandes, on a pensé au dernier moment d'en acheter des nouvelles guirlandes pour faire tout le long du chemin. Avec l'ignote. Voilà. On va aller l'embêter. Ça, c'est Madame Imbert. On va aller l'embêter.
Mais c'est pas la peine de parler parce que pour l'instant le micro c'est moi qui l'ai. Donc mais je vais venir t'embêter, t'inquiète pas, parce que c'est elle qui s'est occupée d'acheter les guirlandes qui clignotent. Voilà, et après nous on les a installées, après on met des petites. On a décidé de mettre les petites lumières là, solaires sur les boîtes de foin, c'est très beau. Et après, on a décidé aussi de mettre des citronnelles sur, nous, enfin, sur la table. Il y a deux, trois moustiques, voilà. Alors, du coup, ça permet de les évacuer. Et en fait, on a décidé aussi avec Marc, bien sûr, on a décidé de prendre les Magnums 2011 et 2005 pour tout ce qui est dégustation. Et je rappelle que c'est toujours avec. Avec. À la télé, qu'à chaque fois qu'on parle d'alcool, il faut dire avec. Modération, merci. D'accord. Bah oui, parce que sinon, on se fait crier. Voilà, comme ça, c'est fait. Bon courage, on est... quelle heure il est? 19h30. Voilà. Il manque une demi-heure, donc là les gens ils vont quand même arriver, ils vont commencer à arriver, on va commencer à les servir et après ça sera le concert. Bon, ça va? Oui. Bon, ça va. Tout à l'heure je l'ai embêtée, elle était un peu à la bourre. Moi je veux juste faire un bisou à la dame qui est derrière nous. Un gros bisou. Encore? Parce que, oui, encore. Parce que cette personne, elle aussi, on dit que les gens qui se ressemblent s'assemblent. Et vous voyez, ça c'est Madame Humbert. Et bien c'est impressionnant l'amour qu'elle c'est dégage. C'est mon mari qui a fait tout ça. Ouais, mais c'est aussi toi. C'est des gens vraiment, et son équipe. C'est vraiment des gens super et qui organisent des choses super avec beaucoup d'amour et de passion. C'est mon mari, il est génial. Ouais, c'est jamais elle, c'est toujours son mari. Bon, et elle fait des salades de pâtes délicieuses. Voilà. Ça c'est juste parce que j'ai bonne mémoire. Il est parti où, Marc? Là-bas. Il est là-bas avec les musiciens? Il est en train de montrer la vigne aux musiciens? Quelle heure il est? On avait dit qu'on vous laisserait tranquille avant le match, ben, ça tombe bien. Il est 19h32, on ne va pas trop vous garder. Juste pour vous dire que si vous êtes dans la région, franchement, si vous êtes dans la région, vous ne privez pas de cette soirée. Regardez le décor, les bottes de paille, les petites loupiottes sur les bottes. Au fond, Jean-Jacques Gris, trio avec un hommage à Django. C'est franchement, avec ce décor, avec cette musique, avec ce vin, toujours avec modération, c'est une tuerie. Venez passer une soirée ici et vous verrez que certaines choses prendront une forme de relativité exacerbée. C'est juste un peu... Ah oui, finalement, c'était pas si grave que ça, tout ça. Merci Marc, merci d'avoir été avec nous, merci d'organiser merci tout ça. C'est tous les... C'est pas tous les mardis, mais c'est ce qu'on appelle les mardis. Le prochain, c'est mardi prochain. Et après, on saute après, une fois. Je crois que tout le juillet, on a un mardi. Tous les mardis de juillet, il y aura quelque chose. De toute façon, il y a une page. Il y a musique classique. Il y a le Facebook, Thoracha, ça sera voilà. Dessus. Vous allez sur la page Facebook de Thoracha, qui va partager ce direct d'ici quelques instants. Je n'en doute pas une seconde. Nous, on se retrouve, je vous rappelle qu'on est jusqu'à la fin de la semaine. On est dans l'extrême sud. On va faire dès demain, on sera autour d'une tour avec la FAGEC, avec Stéphane Orsigne, la tour vers là-bas. Très hauteur. Je vois que monsieur suit mes directs. Ensuite, on sera en mer. C'est une belle histoire d'amour. Une belle histoire d'amour. Ne dis pas tout, hein, parce que sinon, Stéphane Orsigne, si tu racontes tout, Stéphane Orsigne, il va pas être content. La tour de Faoté, ça sera demain. Après-demain, on sera en mer avec l'Office de l'environnement de la Corse et Régis Colonna Cesari, qui nous fait le plaisir d'être notre partenaire sur cette opération. On va parler de comment bien se tenir en mer autour des îles Cervicales et des îles Lavedi. Et ensuite, on sera, tu sais, je sais plus, ensuite, on sera ben, tout simplement à Bonifacio. Quand on dit l'extrême, ben, on va au bout de l'extrême. On sera à Bonifacio avec Alain Dimé. Un coucou de la plaine de Père, Françoise, bonjour de Vescovat, Laurence, envoyé du soleil, ici il pleut en Belgique, Jackie, courage, il pleut en Belgique et je suis sûr que toi aussi d'ici 20 minutes tu seras devant ton téléviseur. Bonne chance. René Giacomène dit coucou, Valérie nous dit que c'est beau, Jackie nous dit que c'est un super endroit, j'aime bien faire un bon repas avec un bon vin, Claudine, un bon repas avec un bon vin. En bonne compagnie. Voilà, Daniel, très beau, j'aimerais y être, quel dommage, très bon vin, monsieur, bravo, nous dit Merle. Et coucou Yann, bonjour. Bonjour Marc, de la part de Sylvie et Philippe de Bordeaux, on arrive fin août. Eh bien, à bientôt Sylvie, Philippe. Voilà. Allez, merci à tous. Je vous laisse terminer ce direct avec le décor. Les bottes de foin sont là, vous attendent. À demain sur la page Facebook de Viastel. Salut.